programme pour nous présenter. Un programme dans langue créole haïtienne et nous pourrons voir quelques grands points qui dominent l'actualité. D'abord, dans le pays d'Haïti, aéroport international, tout ça, l'ouverture là, sous route pour le relouvrir pendant que gang armé continue à abîmer la terre dans quelques zones dans la capitale là. Et bien, jeudi, à procès historique, ancien président républicain Donald Trump recommence jeudi avec présence Michael Cohen, qui c'est ancien avocat, ancien président républicain, et puis le président russe là, Vladimir Poutine, qui a fait une visite deux jours dans le pays et la Chine, et président chinois Xi Jinping, et fait louange pour coopération de pays. En allant voir quelques grands points qui dominent l'actualité. États-Unis justice, procès historique, ancien président Donald Trump là a commencé jeudi à New York, toujours à présence Michael Cohen, ancien avocat, ancien président républicain. Visite deux jours président russe Vladimir Poutine dans le pays la Chine, président chinois fait louange pour rapprochement de pays. Président dominicain Luis Abinader, parti favori pour emporter un deuxième mandat dans tête République dominicaine d'après sondage dans l'occasion élection qui vient pour dérouler dimanche qui vient là. Et puis dans le pays d'Haïti, aéroport Toussaint Louverture là, sous route pour relouvrir pendant gang armé continue à abîmer la terre dans zone métropolitaine Port-au-Prince là. Oui, c'est pour ça yo avec l'autre encore nous pour le développer. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui côté ou attendez et regardez en même temps vidéo ça. Déjà nous nous bienvenue sur channel là pour nouveau vidéo la voix de l'Amérique ça que nous porter pour aujourd'hui là. Quelque l'autre grand point qui domine l'actualité que nous porter pour et bien faut qu'on est peuple Israël là pour répondre jeudi vendredi à la même au tribunal Nations Unies avec accusation l'Afrique dit que Sid connaît au même que yoté intensifié yo yon campagne génocide ak opération militaire nan Rafah. L'autre côté n'a faut connait quantité moun ki mouri nan inondation dévastée qui fait nan pays Kenya li monté avec 291 moun nan pays Kenya li même k'ap vinn prend tête mission pays d'Haïti. Plusieurs douzaines de ballons qui gen forme pénis et bien même yo tab volé sous tribunal côté y a jugé Donald Trump là nan New York nan pays d'Haïti. Et bien dossier qui gen pour avec dossier programme Biden là, et bien gen 166700 haïtiens qui étaient rentrés dans pays les États-Unis selon ça CBP lui même li fait connait pour ça yo plusieurs l'autre n'a pour nous développer en dedans édition la voix de l'Amérique ça pour vous. Pas oublier si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel là, abonnez-vous avec channel là et activez la cloche de notification pour là. Mettez-le sur tout pour ne pas rater aucun vidéo n'a bien pour nous poster pour sur channel ça. Pas oublier quitter un like sur vidéo, partager vidéo à toi avec un ami, un famille, une façon pour aider nous grandir communauté channel là. Nous pas perdre trop de temps, n'a quitté avec édition la voix de l'Amérique là. Restez branché puis devant pour rester dans un petit moment. Et bienvenue dans le développement actualité. Il y a une actualité qui a mené d'abord dans le pays d'Haïti avec aéroport international Toussaint Louverture là qui sur route pour l'ouvrir. Mais pendant ce temps, gang armé et bien continue à abîmer la terre parce que l'aéroport là, aéroport a été fermé à cause et activité gang armé. Nous allons rejoindre depuis Port-au-Prince Yves Manuel. Suite à annonce reprise progressive vol commercial à l'aéroport international Toussaint Louverture dans Port-au-Prince, compagnie aérienne Sunwise Airways annoncé la retourner à opération à destination et en provenance de capitale là à partir du 20 mai qu'a fini là. À compter de 20 mai 2024, Sunwise Airways a reprendre vol domestique depuis la capitale là vers Cap-Haïtien avec les Cayes. Compagnie a reprendre également progressivement vol vers Panama, Saint-Martin à Guadeloupe. En attendant ouverture espace aérien vers République Dominicaine selon information qui disponible. Compagnie a fait connaître que tout vol intérieur yo a sorti désormais de l'aéroport international Toussaint Louverture. Annonce reprise vol yo dans Port-au-Prince venu 2 mois après fermeti aéroport international Toussaint Louverture dans commencement mois mars là. Réouverture aéroport Port-au-Prince là venu tout dans un moment côté police nationale d'Haïtien a recevoir bon côté des États-Unis matériel et équipement pour renforcer capacité opérationnelle li. Dans ce sens, il y a plusieurs vols qui atterrissent dans Port-au-Prince dernière semaine sa yo, avec matériel pour l'Islande et puis aide humanitaire. Autorité dans l'aéroport a travaillé sur la question sécurité et arrivé démoli déjà un pile caille qui était trouvé dans le parage aéroport. Caille sa yo qui représentait une menace pour la plateforme. Nan. Entre 350 à 400 cailles déjà détruits sous périmètre nord aéroport Port-au-Prince. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Pendant ce temps, gang armé qui te fait airport la ferme à cause d'activité, et yo continue à abîmer la terre. N'importe quoi, son sujet qui retenu attention et correspondant à n'importe quoi, Massado Vilme. Semble démarche qu'a fait pour arriver premier délégation force multinationale là dans firme Amesila pas ébranlé même une petite grâce groupe civil armé qui joue kounia pas suspendre mettre blanc danger population. Front national, yon quartier populaire qui situé en direction nord-ouest capitale pays, c'est principal cible groupe civil armé depuis commencement semaine là, cap chercher pour un contrôle fort, yon espace qui était construit pour protéger Port-au-Prince qui connait à loger brigade opération intervention départementale police là, boy.
assaillant tout le monde et puis mettait du feu dans caille. D'après ça, habitants ont expliqué. Monsieur Belé, on sort fini. Il met du feu sur nous là. Il y a des gens qui boule, des gens qui mourent. Mes amis, c'est nous-mêmes, mes amis. Parce qu'on est mes amis. Malade là. Pourquoi nous c'est pour nous, mes amis? Il y a un tract, mon papa, on fait mourir des chambres qui ont boule tout. Moi, c'est pour monsieur là, matin, là, où tu es deux balles derrière le planer, qui fait le pas mourir. Mais si la des chambres qui ont boule, pour tout le monde, vous voulez dire net. Résidents qui dénoncent le commandement police là qui pas bail agent boy yo qui c'est tout représentant institution dans quartier populaire l'autre pour traquer gang yo mandé révocation France LV dans tête police là. La police va pas même boy yo là boy yo pas camper avec nous là boy yo était camper avec yo dit papa on l'autre descendre yo quitter on mettre tuer yo mais on l'autre pas la police boy yo était carré là réagir pour nous là nous tu réagir dit on va l'autre France LV nous voulons réponse à baou nous c'est petit fond national ou c'est Belé si qui toi voulez vous quitter fond national nous pas quitter. Parce que je ne sais pas si nous avons un commissariat là, qui c'est bon, nous pas qu'à une contre-carrière, nous n'avons pas qu'à nous battre, c'est son nom de nous quitter. Ça veut dire, elle veut faire son bagage comme ça, sous pas qu'à balbe, allez, et la bataille avec Nelson, elle veut faire son bagage. Bouteille ak wash c'est principales armes nous t'es capable ouais non mais femme kou garçon ka force faire résistance ak bandi yo qui déjà prend contrôle yon bon parti dans quartier populaire dans Solino image pas différent côté c'est même groupe bandi yo qui attaque zone si là depuis plusieurs mois habitants qui s'allier fort policiers qui habitent dans zone là mandé chef police la France LB pour voir plus renfort bay policiers nous même dans Solino nous pas gè chef gang c'est la police et policiers nous gagne dans Solino c'est ça cause qui fait nous là n'a plité n'a goumé pour pas prendre Solino dans même avec bouteille noire wash nous va laisser couler n'a mandé France LB pour ta renforcer la police pour nous et puis encore n'a mandé tout pour ba nous sécurité pour ba nous les que nèg yo vinn encore nous pour ba nous alors que rentrer à sortie de capitale là, situation était difficile à cause de bandits qui envahit comme une grecie depuis week-end passé. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour VOA Créole. Et pendant la situation ça a déroulé, eh ben il y a plusieurs pays parmi les États-Unis qui continuent à voir moun tourner dans pays donc gain rapatriement avec déportation et c'est dans moment ça tout que un groupe parlementaire qui mandé administration Biden pour camper sous déportation ça yo en allo ça pipré. C'est en présence plusieurs autorités dans le département Grand-Anse, pays d'Haïti, directeur départemental police Sidla, Daniel Compère, rivé installé commissaire divisionnaire France Saint-Amand, journée mercredi 15 mai 2024, qui remplacé dans pour ça Louis Edner Yasser, qui lui-même passé environ 9 mois dans pour ça. Nouveau directeur a dit qu'il souhaitait joindre collaboration tout le monde pendant lui-même avec policiers Lio, qui a travaillé pour capable de faire bon genre résultat et sortir avec un sentiment de satisfaction les l'a quitté le département. Pour nous, d'abord, remercier la direction générale qui fait choix de nous et aujourd'hui nous venir comme serviteurs, tout le monde qui est en grandance. Comme Théorie m'a toujours dit, la police n'a pas qu'à faire sa information, et nous avons dit vrai police, c'est nous-mêmes population. Parce que c'est nous-mêmes qui étions dans le quartier, c'est nous-mêmes qui étions dans l'environnement, dans le corridor qui connaît tout le monde qui est mauvais, tout le monde qui a fait une action qui est contraire à la loi. Et tout le monde qui a fait action contraire à la loi, nous venons pour nous réprimander pour que nous disions qu'il n'y a pas qu'à faire ça. Et nous profitons du moment pour nous dire policiers. Nous là, comme mon papa Bouyo, qui vient pour planifier, diriger, coordonner, contrôler le travail qu'il y a à faire. Malgré les moyens, nous avons fait tout ça capable. Nous avons demandé aux policiers de faire sacrifice. Merci la presse d'être nous là. Passez un message pour nous. Dis peuple là. Bon, l'autre directeur départemental, les mettre quoi la donne et le quoi dans le peuple là, t'as rapproché les policiers pour bailler enseignement, pour bailler information pour nous résoudre le problème. Et je souhaite que l'aime aller, c'est avec joie aller, pour me dire que j'ai accompli le travail, je vais aller avec tête moins reposée, je suis capable de dormir bien sans que ma tête cassée. Magistrat principal Ville Jérémien, Sylmata Pierre, dit qu'il est content d'installation ça, qui vient faire activité et reprendre dans le commissariat pour la population continuer à jouer un service. Nous sommes contents aujourd'hui que la barrière commissariat ouvre. Il y a accès à tout le monde qui a besoin de service, que le service continue dans le département de Grand-Anse et spécialement dans la commune de Jéré. Il y a une même population hein, qui a porté support par le mouvement policier. Il dit qu'il est content qu'il y ait un nouveau directeur pendant qu'il souhaitait des résultats. Je me sens content avec le nouveau directeur, avec le discours, avec Jean Leparet. Grand-Anse
Jean Yodou, bienvenue. L'obra aller aller l'aide pour pas correct. Moi même là jusqu'au bout pour me corriger tout ça de bon à toute fierté ma toute capacité. Cependant, installation Savini dans moment côté policier qui fait partie Hugo Grandens, t'est déclenché un mouvement protestation contre ancien directeur côté il était reproché lui des mauvais bagailles il t'a fait en dans direction départementale là. Ça concernait à lui-même, t'es voyé j'étais bien loin. Depuis Jérémy Mackinson Charles. Donc c'était correspondant nous dans Grandens, c'est Mackinson Charles qui t'a parlé nous de nouveau des responsables ça qui gagne dans police nationale là après un mouvement protestation et ta communauté annoncé qu'on a nous parle et ouais quelques parlementaires qui dans ici aux États-Unis sénateurs avec députés qui mandaient gouvernement Biden pour camper sous déportation a fait concernant Haïti en allant à vivre. Haïti a fait face depuis quelques temps déjà à une série de déportations qui a sorti en République Dominicaine, États-Unis, Bahamas, Turks-and-Caicos et Latrie. Et dans la semaine, ça a seulement gagné au moins deux séries qui arrivaient dans Cap Haïtien, deuxième ville pays, 125 sorties Bahamas. Et jeudi 16 mai 2024, là, gagné 82 qui rentraient, 15 femmes et 67 garçons d'après Office National Migration. C'est dans le même moment, ça, soit mercredi 15 mai 2024, là, 9 sénateurs et députés américains, parmi eux, sénateur Ed Markey, Marco Rubio, Elizabeth Warren, député Cory Booker, Yvette Clark, chez la chef Phyllis McCormick, Ayanna Pressley a adressé une lettre by secrétaire département sécurité intérieure américain Alejandro Mayorkas pour administration Biden Harris là pour camper déportation ça yo. Yo précisé dans lettre là, m'a traduit, Haïti rete yon pays qui dans un bouleversement extrême, a gang armé cap terroriser population, ça qui la cause fermeture infrastructure important dans pays. Citoyens haïtiens yo a fait face à gros menaces violence, yo peur pour la vie yo et puis yo enduré difficulté chaque jour pendant yon nouveau gouvernement a lutté pour reprendre contrôle pays. Officiel américain ça yo enchaîné dans lettre là pour préciser que département d'état américain te prend en juillet, yon décision côté le conseil citoyen américain pour pas voyager en Haïti à cause kidnapping, crime, manifestation civile ak infrastructure santé qui pauvre. Département d'État c'est parlementaire cap écrit toujours, t'es tellement ou situation dangereuse que yo te bay l'ordre pour employé qui pas essentiel ak toute famille qui te pays a. Ça pas gen longtemps, yon groupe parlementaire ak officiel haïtiano-américain t'es réuni dans Washington DC côté yo te bay une conférence de presse pour faire même demande là et pour réclamer tout redésignation ou soit extension statut protection temporaire TPS. Voilà, qu'on y a une actualité à peine dans la République Dominicaine côté électeur pour la bulletin dimanche Kavin là pour élu yon président et avec pouvoir législatif là et Sandrine exil nous va rejoindre depuis République Dominicaine. Dimanche 19 mai Kavin là, environ 8 millions dominicains pral prendre chemin bureau vodio pour yo ka renouveler bureau député sénateur yo ak prochain président nation en. Exécutif là a bien 8 candidats, ça qui paraît pi fo yo c'est Abel Martinez qui c'est actuel magistrat ville Santiago, ancien président Lionel Fernandez ak président actuel Luis Abinader qui a cherché yon deuxième mandat. Si dimanche ça, yon non candidat yo pas élu avec moitié vote, yon deuxième tour a possible non mitan ania. El costo de la vida cada día más caro y nada, este es un gobierno para los ricos solamente. No, la economía está muy bien porque están... Pero hay muchos países que la economía está muy mal, pero está muy bien aquí la economía. Pour poste législatif là, sénateur yo élu pour yo représenter toutes 31 provinces yo en plus district national là. El presidente se queja mucho, pero es que al presidente le entregaron el país, pero ya estábamos en la pandemia. Entonces mucha gente lo que dice, no, que Luis ha tomado mucho préstamo y eso, pero cuando él estuvo en el poder, ya el país estaba derrumbado literalmente. Entonces él tuvo que hacer eso, lamentablemente. Vodio après, même si plusieurs sondages by gros victoire avec président actuel là, Luis Abinader. Yo non défi prochain gouvernement qui pral vini là à Bgayan, c'est à relation yo avec pays voisins en Haïti. Yo relation difficile avec en pile tension ajoutée, difficulté migration haïtienne yo. Mais avec tout problème inégalité qui gayan et puis avec la vie chère, ces questions dominicains yo prend en compte là yo pral voter. Saint-Domingue, Sandrine Exil, VOA Créole. Merci Sandrine. Et d'après sondage, c'est parce que eh bien, président Luis Abinader comptait sur économie et puis sur fermeté que le gagne par rapport avec un problème avec grand voisin qui c'est Haïti. Vous souvenez-vous à Créole, vous suivez un programme dans la langue créole haïtienne. Merci d'avoir choisi VOA Creole pour informer nous pral dans l'actualité ici aux États-Unis pour nous parler de justice. Pour cet historique ancien président Donald Trump là, recommencé jeudi à dans New York, toujours avec présence Michael Cohen, qui est ancien avocat, ancien président républicain. Nous sommes sur place dans New York, Valérie Saint-Louis. Jugement criminel contre Donald Trump a recommencé jeudi 16 mai, dans Manhattan. Avec ça, il y aurait les séances contre examination. Côté que fois ça, c'est avocat défense là qui pral poser témoin en question. Et avocat Donald Trump a paré pour déranger Michael Cohen la question dans l'objectif pour craser la crédibilité. Une démarche qui est déterminante dans le cas pour candidat républicain pour l'élection présidentielle année ça.
Michael Cohen, c'est 20e et dernier témoin, au moins pour Kounia, que persécuté au terrelé devant bureau pour qu'il district Manhattan, nan, Alvin Bragg, pendant qu'il a essayé prouver que Donald Trump t'est marré complot pour casser fait couvrir une histoire qui t'a qu'à dommager campagne présidentielle liant pendant l'année 2016 là. Et bien ensuite, il a essayé prouver que t'es fait magouille, fait faux document dans business lio pour couvrir même histoire ça, qui c'est un scandale sexuel entre ancien président avec une actrice vedette film porno. Jodi a Michael Cohen, qui c'est ancien ami Donald Trump, pral tourner chita son chaise bien chaud. Pendant que avocat défensio pral essayer éliminer témoignage important que le te fait qui était impliqué ancien président Michael Cohen qui gagne 57 ans et qui était avocat personnel Donald Trump pour plus passer 10 ans saute passer 2 jours à témoigner dans tribunal là côté que le te impliqué Donald Trump directement dans complot soi-disant pour cacher histoire négatif qui t'a dérangé opportunité il te gagné pour arriver dans maison blanche là Michael Cohen te dit jurieux que Donald Trump te promet lui pour le rembourser l'argent que le te mandé le payer pour faire même bouche vedette film pour noir qui lui même te balle lagué. Donald Trump personnellement te bail l'ode pour payer Stormy Daniels $130,000 en 2016 pour protéger campagne présidentielle d'IA. Pour mamzelle, pas à l'mettre causé à deux. Donald Trump démenti déclaration ça. Donald Trump te plaide non coupable pour 34 accusations criminelles ça que la justice dans Manhattan mettait sous dôle. Et matin, il te retourné entrer dans le tribunal là comme d'habitude et il te fait un petit parler avec la presse qui était là. Yo. Congressmen and some senators down today, and they're all up in arms over this. They can't even believe it. Nous gagnons pile membre congrès à quelques sénateurs qui descendent vin dans tribunal là jodi a. Yo pas d'accord à ça qui passé là yo. Mais moi vle di nous merci en pile parce que nous vini au moins napsima et nouvelle là. Mais ça très injuste. Moi ta remet dans différents états ça yo côté que moi ta doué à faire campagne tant que n'importe l'autre monde. Jugement ça c'est une foulaille et puis pas d'arriver. Merci en pile. Plusieurs membres chambre représentant américain tant que Matt Gaetz et Laurent Bobetz t'est campé derrière Donald Trump dehors salle tribunal là. Jugement a continué, il arrivé sous 18e juli et avocat défense là gain intention relé plusieurs témoins jodi a. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Et qu'on y a actualité à mener nous en Asie côté visite deux jours président russe Vladimir Poutine dans pays la Chine. Eh ben président et chinois Xi Jinping bat bravo pour rapprochement qui gagnait entre deux pays ça yo Marie-Luce Pierre. Président chinois Xi Jinping et président russe Vladimir Poutine ont participé dans un gala jeudi 16 mai dans le cadre de célébration pour marquer 75e anniversaire depuis l'Union soviétique a été reconnaître République populaire Chine que Mao Tse-tung a déclaré dans l'année 1949. Leader russe a annoncé lancement culture russe chinois à Nessa. Vladimir Poutine déclarait « Nous pourrons continuer à agir ensemble pour développement avec succès du pays, prospérité du peuple, pour augmenter autorité et influence la Russie et la Chine dans le monde. » Le président Poutine et président Xi partageaient une vision mondiale qui large, qui mettait l'Ouest là comme décadence à déclin, même genre la Chine défiait suprématie des États-Unis dans toute bagaille, sorti dans informatique, proportion avec biologie synthétique, dans espionnage avec force militaire difficile. Xi dit dans une conférence pour la presse « Tous deux pays d'accord que une entente politique sous crise ukrainienne dans la bonne direction. » Tous deux leaders ont supervisé signature plusieurs accords bilatéraux dans le secteur de commerce et infrastructure. Bon côté par le président Xi déclaré ni moi-même ni président Poutine d'accord que le règlement d'un conflit palestinien-israël est urgent et nécessaire pour appliquer sérieusement résolution des Nations Unies et bien résoudre le problème palestinien sous base solution deux États. Nous tous deux d'accord un règlement politique dans la crise ukrainienne, c'est bonne direction. La Chine a renforcé le lien commerce avec lien militaire avec la Russie dans la dernière année, alors que les États-Unis et les alliés ont imposé sanctions sur tous deux pays, particulièrement Moscou, pour opération militaire dans l'Ukraine. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce Pierre, nous parlons en région Moyen-Orient côté que Israël continue à rentrer dans ville Rafah malgré opposition go aliel qui c'est les États-Unis. Jean-Robert Philippe, c'est un bagage qui pourrait refléter dans élection qui pourrait venir là ici aux États-Unis, question et qui gagne par rapport à soutien que les États-Unis a porté à Israël. Oui, il y a un sujet que nous pourrons susciter dans le débat qui est capable de gagner le président Donald Trump avec le président sortant et Joe Biden. Mais nous disons que Kounia Israël ont l'autre problème qu'on a parce que ils apprennent que les militants amassés ont retourné, ils ont regroupé encore dans la ville, dans Jabalia, une ville qui est dans le nord, côté que Israël a dit qu'il était démantibulé en masse. Mais au moment qu'il a attaqué la zone sud là. Les Palestiniens ont passé la journée à crier pour famille, soldats israéliens ont tué pendant frappe aérienne dans le cadre d'opération militaire nation hébreu a mené dans la ville de Rafah pour déraciner les restes militants Hamas. Parmi les victimes, nous avons une Marie avec petit garçon Alaf al-Akawi qui a déclaré qu'il était déjà perdu l'autre famille dans le commencement de la guerre. Il y a eu bombardé des cailloux depuis le commencement de la guerre. Sur un total de 10 personnes qui sont mortes, et bien 4 parmi eux, c'est des petites bofs vraiment. Et 5 autres, c'est des petites moins avec petites moins.
gloire pour grand maître là et bien jodia yo touyé marim avec petit garçon dans jour qui passé yo force israélien était foncé dans direction l'est ville Rafah dans quatre démarches qui a fait pour déraciner quatre derniers bataillons amasio malgré avertissement principal allié israël n'a parlé des États-Unis lancé pour éviter attaquer zone là une façon pour éviter blesser civils par bande par paquet ni nimtsa kayet bemerhav rafia après que pagashti et alouf pikod adarom mfaked ugda 162 מחת 84, מחת 400. מדיפן זה האלה, יואב גלן, כדי פרציפי נעיון קונט. הרו קומדמן, כפופי סוטריאן, דקלרי שודי שודי 16-100, אבגי סולדה אדישונל, כפרציפי נעו פרציון טרסלה, נרפה. פנן די אג'וטי, קמפיין מיליטר, אפי פיזי אמס. נו דז'ה דטוי פיזי צינל, אגן לא כפ דטוי אנקורט, נשו כפ וינילה יו. פנן סטרן פוסי זה האלה, פונסי אנדדן וג'בלה, לנו טריטואר קוטי מיליטן יו, צירי אנפיל קוט מוטי, אגבום סו קונבוי מיליטר. Depi atak Hamas te lanse nan plizye vilaj Izraelien 7 Oktobre pase, fos Izraelien yo touye an repons plis pase 35 000 Palestinien dapre responsable la sante yo nan Gaza. Nega me Hamas yo te touye environ 1200 moun epi yo pren an otaj plis pase 250 Izraelien ak etranje dapre otorite Izraelien yo. Jovel Philippe, VOA Creole, Washington. Et bien après tout, nous sommes sur le dossier Haïti qui a retenu attention tout à Tissa Haïtienou et puis nous allons rejoindre Glorieuse Nelson qui te parle à cœur. Conjoncti pays d'Haïti a vivre dernier mois ça yo affecté toute petite rio. Même chaque tout citoyen, artiste nous yo affecté des gens conditions la vie a détérioré chaque jour qui plus en Haïti. Belon c'est une artiste qui pas jamais hésité prendre la parole sous pays. La partager sentiment. Fondou là en dehors de Haïti où vivre bagay là, n'ta capable dire plus difficilement. Parce que toute qualité nouvelle a venu jeune de tout côté. Côté où nous habiter, on dit habiter peigné puis jodi a chance pour zone dans calme, mais là pas là. Ou ap jwenn nouvel kafou, ou ap jwenn nouvel gresi, ou ap jwenn tout nouvel et ou senti de plus en plus espoir pour tourner la caillou, espoir pour ba yo vinn comme si n'a de retourner dans place yo, ap éloigné yo de ou même. Donc, on pa vle moun penser que moun ki en dehors de pays a, yo confortable, yo nan courant, yo nan lumière, yo pa gen problème que nous même nous gen en Haïti. Nous c'est juste ces deux douleurs qui différent mais qui rete de douleur. Fabrice Rouzier lui-même a vivre en Haïti, mais depuis plus passé de mois, li bloqué États-Unis. C'est un moment extrêmement difficile que tout le monde en Haïti a vivre, pas seulement à l'intérieur du pays, mais en dehors du pays. Et même j'avais un pile compatriote, moi j'étais venu ici pour quelques temps, et il se trouve que l'aéroport fermé, et moi j'ai trouvé me bloquer ici aux États-Unis. Et c'est vraiment avec un pile douleur que moi-même je n'ai pas retrouvé la caille. Et malgré que le pays a vraiment. L'heure du lacaille, c'est la caille. C'est bon cliché pour dire que c'est là où t'as, mais en fait, c'est là qui est résidence, c'est là que tout rapport moi, c'est là que tout affaire, c'est là que tout attache moi. Et je ne suis pas allé pour que je m'y et même trouver moi pratiquement dans l'exil forcé. Mais j'aime toujours, d'une façon générale, je me sens très triste. Mais moi j'ai une gratitude que moi là même m'a songé avec tout le monde mes amis famille et compatriotes moi qui vivent un moment très très difficile et très douloureux et nous pas qui côté que lumière vini dans tunnel là et c'est sous parle chanteuse Emeline Michel qui toujours chanter l'espoir dans Zèvre yo quoi li important pour nous kembe espoir malgré moment difficile yo c'est ça seulement nous gagne accrocher dans ça pour nous mettre un pied devant l'autre avancer avec un sentiment que comme si devant, il n'y a pas plus mal que ça nous est là, qu'on y a, puis devant. Et puis, pas oublier, malgré tout ça qu'on a fait, il y a des gens, une génération qui voulait projeter au non futur, mais pas un futur janvier. Hein. Donc, oui, m'obliger. Majorité artistes haïtiens qui populaires ne pas vivre en Haïti encore. Quelqu'un a essayé de faire des concerts en Haïti, les situations permettent ça. Moi, je suis Glorieuse Nelson pour la Voix de l'Amérique depuis Brooklyn. Et puis avec Christian Saville, nous parlons de Miami. Palm Beach, Orlando, Port St. Lucie. Yo t'es sorti dans diverses zones qui tout près pour venir participer dans la troisième édition Festival Drapeau ça qui était faite dans Palmetto, région Bradenton, dans Florida. Dans zone ça qui gagne une communauté haïtienne qui grandit chaque jour plus, organisateur dit qu'il voulait faire festival ça, venir référence. Et puis attirer plus monde. Chaque année, nous voulons mener plus de artistes dans la communauté haïtienne dans Bradenton. Là, nous sommes venus voir les zones. Nous avons toujours dit que les zones sont dans les zones de petit. Mais mission par nous, dans l'Eshkam, c'est pour nous voir les zones, pour nous mener plus d'artistes dans la zone, pour qu'il y ait plus de visibilité ici. Nous Doré, Andy Beat, T-Vice, Tony Mix, c'est quelques parmi artistes avec jazz haïtiens qui étaient présents pour créer l'animation. Tony Mix, qui était vibré public là avec Bon Mix, dit ça dérangeait les haïtiens pas qu'à fêter le drapeau dans le pays comme ça. Mais il est obligé, mettez plaisir. Et bon, moi-même personnellement, et moi ça vraiment drôle, mais il est obligé de fêter parce que faut le fêter. Yeah. Participants nous t'es parlé à qui on dit satisfait, fait qu'on est toujours fier des pays, fier des drapeaux,
malgré situation difficile pays a fait face. Son festival qu'a fait pour drapeau haïtien, of course, et m'a toujours la donne. Malheureusement, nous pas dans pays nous, mais n'a célébrer la façon que nous capables. Bien content que jodi a grand pile haïtien qui fait déplacement. Divers entrepreneurs dans la région Bradenton qui décident de supporter l'activité, ont continué à mettre tout le poids en balance pour faire fête drapeau pays. C'est un gros événement dans la région. Chaque année, il est de mieux en mieux. Man. On prend un joli, on apprécie, on connaît ses cultures, haïtien mieux, haïtien sans couleur, haïtien net. Au moment où Haïti me fait, so, ça fait un plaisir. Fête drapeau a été bien fait. You know, bagage comme ça, nous avons besoin de zone ça. On est capable de voir que le bagage qui a amélioré. Ambiance, il y a plus de monde. Qualité son, qualité stage, et moi je vous beaucoup de chapeau pour toute équipe HCOM. Guys, impressive, et c'était l'idée à ça, et je pense que chaque année, on a amélioré. Quelques personnalités que tout le monde connaît dans la communauté haïtienne ont répondu présent parmi Rod Joseph, candidat pour poste sénateur dans l'État Floride. Maïs 24-24, et c'est pas accident de tomber ici, là. Comme moi, c'est le résultat des circonstances qui fait grandir aux États-Unis. C'est ça cause tout ça qui fait. Depuis son bagage, quand il y a 10 haïtiens réunis, positivité, moi, là, je suis pour tout. Même Jacques Divers, l'autre côté dans l'État Floride, l'équipe Manasota Haitian Flag Day Festival, là, voulait utiliser l'activité ça comme vitrine pour vendre qu'il tient avec musique haïtienne dans les étrangers qui parlent de pays. Depuis Bradenton, l'État Floride, Luxon Zéville, pour VOA Creole. Moi c'est Jacques Lambelisa, bonsoir. L'autre information que nous portons pour dans le pays d'Haïti, nous pour aller directement côté n'a faut qu'on est eh bien dans le dossier qui est pour avec canal là qui t'a construit Rwanda mettre là eh bien yo mettez bilan de yo côté comité canal Rwanda mettre là les mêmes les bail rapport détaillé hier qui était jeudi 16 mai 2024 là sur quantité l'argent yo ramassé avec ça yo même yo dépensé n'a praplo aibo poste les mêmes qui t'a pral bail détail avant même comité a te parlé vient pour un pile monde qui était indigné parce que yo fait qu'on est média les mêmes là travail c'est pour gouvernement qui donc canal là les mêmes c'était un canal peuple et bien selon comité canal là eh bien, vous même t'a ramassé en total 713 114.85 $ américains. Plus ça, vous ramassé en good 95 265 012.85 centimes. C'est ça, vous même t'a remplacé. Vous t'a ramassé au total. C'est donc 713 114.85 $américains plus 95 265 012.85 centimes que vous même t'a ramassé au total. Dépenses yo vini comme ça, yo dépensé 101 897 097 gourdes.99 centimes et bien au doué on a fait des 49 865.30 $ ou sinon 6 320 084 gourdes que même yo ta doué qui donc aibo poste qui ta bail détail yo pas clair c'est non pasteur Moïse qui na tête à comité canal là même si rapport ça yo metté dehors sous combien yo ramassé et ça yo même tout yo dépensé dans dossier qui vient pour avec frère que même yo boulé dans canal la wana met qui donc média yo dans pays d'Haïti c'est tout radio traditionnel yo bien yo même yo complètement politisé yo même yo fait bagay yo dans l'autre gens et bien peuple là même li pa wel comme ça yo l'autre côté et bien n'a faut qu'on est dans dossier qui gien pour avec dossier sécurité gang dans capitale là yo même pendant soirée hier jeudi 16 mai 2024 là yo attaqué local là la cour des comptes nouveau bâtiment qui doit loger ministère finance là les mêmes DGI la douane avec espace ministère intérieur et bien responsable la cour des comptes yo té lancé SOS à autorité police nationale d'Haïti yo même pour té capable prendre disposition pour inviter bandi yo même yo bouler institution bandi exam yo même yo continuer à faire attaque et bien sous côté important on a rappelé aux forces là qui va trop longtemps rentrer dans pays d'Haïti là ben nèg yo qui déjà comme ça yo déjà y a goumé yo même pour voir comment yo t'a fait quelque bagaille et bien pays a lui même là dans dernier jour ça là pile parlant pile a fait nèg qui vient pour voir comme conseil présidentiel transition yo déjà pral besoin toucher là et bien ça yo pas fait rien en pile radio a dénoncé Zaxi là côté nèg yo pour couper un mois yo pral gen premier mois yo là 25 k'ap vini là et bien yo déjà parlé de salaire et nèg yo pour faire rien pour peuple là continuer à passer calamité en bas mais nèg exam yo même qui a mis jusqu'au dent qui continue à bailler peuple la pression et bien nèg yo déjà paré yo même pour yo toucher kobio
programme Biden nan et bien tout moun konnen programme parole ki le Biden nan et bien gen 166700 haïtiens ki getan rentré nan pays les États-Unis d'après dernier chiffre CBP pays États-Unis mette de yo avant mercredi 15 mai 2024 là et bien depuis les programmes nan li même li ta commencé depuis en janvier 2023 qui était passé là qui déjà gen plus que yon année et bien yo déjà gagné un total de 184600 bénéficiaires haïtiens qui confirmé qui donc ça veut ça qui confirmé et qui joignent autorisation déjà tout yo même pour yo t'es capable rentrer et ben les nous regarder quantité qui rentre États-Unis nous gagne on a fait des 17900 moun qui getan entré ou bien qui getan joine autorisation nan meyo yo même pour yo rentrer dans pays États-Unis qui donc 17000 sa yo avec autorisation pour rentrer et bien gen 166700 haïtiens qui ta déjà rentré dans pays Biden li même qui li président. N'a quitté dossier Biden pour nous rentrer nous directement sur l'échelle internationale. Pour n'a faut qu'on ait Biden n'a gain intention suspend immigrant qui sorti dans Nicaragua avec nouveau restriction. Et bien gouvernement Biden n'a pral mettre restriction sur visa 250 moun et puis sanctionner trois organisations qui supportaient gouvernement Nicaragua lui-même qui gain l'idée autorité. Et bien autorité dit qui bénéficier des moun ka essayer arriver dans pays États-Unis quelques gros officiels gouvernement qui t'ai parlé sous condition anonyme mercredi qui sont passé à la pour prévoir plan yo même yo te dit que gouvernement Nicaragua lui même qui dirigé par président Daniel Ortega il était créé un système pour profiter gros quantité immigrants là même yo fait au pays frais visa là yo arrivé dans aéroport pays et puis mandé yo pour quitter Nicaragua dans 80 16 heures de temps qui c'est 5 jours gouvernement Biden lui-même li pral tout averti compagnie privée yo qui gen là-dedans yo compagnie avion yo sous inquiétude li yo et bien sous modèle immigration irrégulier avec potentiel abus droit moun qui sorti na pratiquement ça yo autorité ça yo déclaré pas gen aucune mesure qui te mette en place pour appliquer politique si yon l'autre côté et eh bien dans dossier en rentrer dans pays les États-Unis toujours plus passé 670000 étrangers t'arrivé contrôle frontière et eh bien dans rentrer pays États-Unis en 2023 plus passé 670 immigrants irréguliers ça ont évadé tant qu'ou agent patrouille frontière et puis eux même ils ont géré rentrer en pays États-Unis en 2023 et eh bien yon numéro sans pareil depuis yo konté yo té fait ki donc d'après donné Fox News yo joine et puis publié mercredi ça là qui sont passé à la chiffre ça même qui té joine pas station télévision à travers loi sur liberté information qui c'est FOI et bien yo montré que 670674 étrangers TGR évadé autorité immigration non année fiscale 2023 et bien qui représentait une augmentation de plus passé 60000 moun qui pat qui donc moun sa yo même yo pat inspecté à comparer avec avant qui donc année a les même l'élite estimé que 606131 té passé contrôle là qui donc bagaille yo même c'est comme ça yo nan rentré illégal la pays les États-Unis 3 aéroport Honduras fermé à cause de mauvaise visibilité à cause de yon couche gros la fumée qui gagne dans pays ici là toi aéroport international ça dans Honduras yo même yo rete fermé pendant journée hier jeudi à cause de manque de visibilité à cause yon couche la fumée qui affecté pays Amérique centrale là côté autorité yo même yo te déclaré yon état alerte sous pays Honduras arrivé avec départ suspend dans aéroport Goloson qui opérait dans ville Ceiba dans Caraïbes là et bien Juan Manuel Galvez de même qui sorti dans île Watan avec Ramon Billeda Morales de même qui sorti dans San Pedro Sula qui c'est dans nord et bien il rapporté agence Aerolinio même que civil on dirait cela il pas capable règlement international il pas permettre un avion atterri ou soit décoller les visibilité a c'est moins passé 3 km d'après ça il même il fait connait dans pays on dirait ce qui donc quand la fumée si là il pas de bail plus détail sur lui mais c'est comme ça ça lui même lui fini plusieurs douzaines de ballons qui gain forme peni les même n'a tab sous tribunal à côté il a jugé Donald Trump là
plusieurs dizaines de gros ballons ça même qui gè forme peine il faut les sous voisinage tribunal côté ancien président Donald Trump lui-même y a jugé dans New York pendant une hier dit qui sont passé là même qui était mobilisé groupe policier qui a bail surveillance de tribunal là et bien vers une dans après-midi ils ont supporté Donald Trump qui allait régulièrement dans tribunal là qui donc il pas jamais raté un jour et bien il ouvre porte là dans un camion qui sorti et bien les mêmes qui ballon rose à peu près ou même ils ont mettre dans longueur paraît et puis gaillé dans toute zone là et bien tout attirer attention dans la presse là attendre yo et bien qui ont des tribunal là ballon ça eux même yo t'a gaillé bien yo gens ça eux même yo capable voir plusieurs vidéos qui paraît sur réseaux sociaux yo Trump lui même cap fait face avec 34 accusations crime pour falsifier dossier business yo comme yo parti dans ça yo même yo soi-disant complot pour fermer bouche accusation sur rencontre sexuelle même li était fait en dehors mariage pendant campagne présidentielle li en 2016 donc Donald Trump qui passe suspend paraît dans jugement mais ça qui était bizarre pendant journée hier et bien c'est ballon plusieurs ballons qui gain forme ma peine yo même qui t'a volé aux alentours tribunal là il fait connaître un camion qui t'a pral paraître mais qui lancé yo bien rapide dossier pays Kenya on va passer pour nous pas parler de Kenya les mêmes qui gagnent pour venir prendre troupe cap diriger pour mettre sécurité dans pays d'Haïti et bien quantité monde qui mourit dans inondation dévastée dans pays Kenya li vinn monter pourquoi li là gouvernement les mêmes il était déjà confirmé ça pendant hier jeudi qui s'est passé hier 16 mai 2024 là malgré la pluie les mêmes était vinn diminuer dans dernier jour ça dans pays ici là et bien quantité monde qui mourit dans inondation dévastée qui t'a frappé pays Kenya à cause gros la pluie les mêmes qui t'est tombé dans mitan mois mars qui t'est passé là les vinn monter avec 291 monde d'après dernier donné ministère intérieur les mêmes les publier avec médias locaux yo yo même yo collecter plus passé 400 000 monde yo même dans tout pays yo même yo affecté par gros la pluie yo et bien qui gagne là-dedans environ 280 000 déplacés sous dans caillou et bien quelques dans yo même yo était déplacé dans 187 jardins autorité yo même yo t'a établi pour prendre mais ça qui gagne pour avec chiffre là li monter avec 291 monde qui mourir donc à pile pays dans monde là inondation Haïti prend Brésil prend Kenya prend et bien dans l'appli qui passe suspend tomber dans pays ici là pays africain nous pral voir dans dossier qui gien pour avec dossier peuple Israël là eux même qui pral répondre question pendant journée jeudi vendredi là dans tribunal là dans au tribunal Nations Unies à cause des accusations l'Afrique décide les mêmes li fait côté yo fait connaître que yo intensifier yon campagne génocide avec opération militaire nan Rafah donc pays Israël les mêmes qui toujours campé sous Hamas là et bien Rafah qui c'est ville qui grand pile réfugié de toute race là-dedans yo et bien pourquoi les la peuple Israël la pral répondre devant tribunal aux Nations Unies yo dit vendredi à là pour dossier intention génocide Slovaquie la police accusé prévenu qui était tiré premier ministre pays à dans qui sont passé là et bien hier jeudi 16 mai 2024 là la police accusé pour tentative assassinat un homme qui était tiré et puis blessé gravement premier ministre Robert Fico dans pays ici là Matis Sitai Stok di rapporté yo la police pays Slovaquie a travaillé avec un seul rapport sous attaque là et puis li accusé prévenir pour tentative assassinat calculé qui donc elle dit tout attaque là lui-même li té gagné motif politique d'elle qui donc c'est une attaque qui était vraiment simple côté premier ministre là t'après recevoir plusieurs balles pendant yon même yoté dans yon réunion. L'autre information toujours sur l'échelle internationale, la sommet arabe là, Bahreïn fait appel pour une conférence internationale pour la paix dans Proche-Orient. Eh bien, wa pays Bahreïn a lancé un appel à jeudi 16 mai 2024 là pour demander une conférence internationale là pour la paix dans ouverti sommet Ligue arabe là les mêmes qui a déroulé dans Manama dans moment côté Israël a mené la guerre contre groupe palestinien Hamas dans Gaza. Pays qui a organisé sommet a mandé une conférence internationale pour la paix dans Proche-Orient avec un effort pour supporter reconnaissance complète État palestinien pour lui-même living dans Mab Nations Unies. Ces déclarations Ahmad Ben Issa Al-Khalifa lui-même l'a fait qui donc en pile
pays y a mandé pour la paix lui-même l'état rétabli dans mita peuple ça même cap goumé là depuis en octobre 2023 qui sont passé à bagaille qui beaucoup fait mais pour un pile pays yo est nécessaire pour ta gagner la paix qui fait dans mita peuple yo et pour ta même accepter tout ta coup Palestine pour ta fait partie eh bien pays dans Nations Unies dessus si là lui-même qui est plusieurs temps la parler mais en rien beaucoup fait est-ce que si toutefois yo accepter Nations Unies accepter Palestine et eh bien gars libéral campé sec nous comprenons mais c'est information même cap témoigne nouvelle insolite dans pays Espagne côté un irakien les mêmes qui seulement gagné 29 l'année et bien les mêmes li mari avec un espagnol qui gagne 70 ans sous tête l'iranien si là les mêmes li rele sahab et bien li mari avec yon grand monde de 70 l'année qui se propriété yon usine automobile avec bien immobilier ta koukay en Angleterre à Londres Sarab li même li écrit eh bien j'ai trouvé la véritable amour tant recherché mes amis bagay yo paraît li fait qu'on est pas gain commentaire eh bien c'est l'amour c'est pas l'âge pas gain dossier de l'âge nèg la gain 20 loin 29 l'année sous tête li et eh bien li prend grand monde si là que ou même on constater sous écran nous là qui gagne 70 l'année et eh on est pauvre non mais li même li obligé faire là c'est une nouvelle insolite là qui paraît de 29 ans avec 70 et eh bien ça vient bailler un long avantage côté garçon li même li gagne moins que mit en l'âge de dame li même qui gagne 70 l'année sous tête li mais il fait connaître l'amour. Eh bien, il joue l'amour que lui-même il tape chercher. Eh bien, depuis bien longtemps, c'est un véritable amour qu'il trouve. Donc, l'amour elle-même, il n'a pas gagné, il n'a pas fait. L'autre information que vous devez connaître toujours sur l'échelle internationale, c'est l'idée que Dinoa, qui c'est Kim, démenti que pays là, lui-même, il fournit là aussi ZAM. C'est où le Corée du Sud? Eh bien, c'est le journal AP. C'est l'idée Corée du Nord, lui-même, qui c'est Kim Jong-un, qui a en pile influence démenti l'autre fois encore que pays a lui-même, l'ita exporté ZAM by pays de coup là aussi. Kim Jong-un dit parole capsi qui l'est qui fait quoi que gué entente pour ZAM entre Corée du Nord avec là aussi parole ça li pas campé sous rien li fait déclaration ça jeudi vendredi 17 mai 2024 là côté li dit Corée du Nord pas gain aucune intention exporter capacité technique militaire li dans aucun pays ni ouvrir au bail public là qui donc États-Unis avec Corée du Sud accusé Corée du Nord comme quoi li fournit là aussi pièces canon avec missiles pour la guerre en Ukraine en retour pour là aussi les mêmes li capable bali technologie militaire avancée avec aide économique et ben là aussi tout les mêmes li rejeté accusation si là bien loin bien c'est l'idée Corée elle même bien rapide pour li rejeté accusation c'est là et bien pour même c'est ta menti qui a fait qui donc pas gain bagaille comme ça dit tout n'a retourner dans pays d'Haïti 1543 femmes avec tifi victimes violence sexuelle avec sexiste dans camp réfugiés yo bagaille pas piti organisation biou Nations Unies pour coordination affaires humanitaires qui relé OCHA et bien le fait qu'on est jeudi vendredi 17 mai 2024 là sorti janvier pour arriver mars et bien ca femme avec tifi qui se vit violence sexiste avec sexuel yo et bien yo pas suspend monter selon chiffre yo bay avant yo même yo te joine 250 cas violence mais pour kounya là et bien yo souligner que li monter presque avec 1543 femme actifi qui kou kite kayo et bien y a fait face avec gros violence sexiste et puis exploitation sexuelle que yo même y a fait sou yo même en dedans camp réfugié yo et bien ça pas respecté chiffre et bien selon chiffre VBG ça yo même yo fait qu'on est que gen augmentation qui baille gros caisse sauté d'après sa responsable nan OCHA révélé pendant yo même yo fait quoi que plus passé 70% dans zak sa yo même yo te capable joindre hôtel yo sans aucun problème l'autre côté. Et bien pour montrer violence qui fait sur gens de monde ça yo et bien VBG fait connait que plus affecté si là yo même qui n'a qu'en réfugié yo
organisme onisien li précisé 70% moun ki subi violence ta yo même c'est moun ki kouri kite kayo en plus ça yo di pa ki vivent des situations ça yo même yo jwenn yo a fait de 80% la dan yo ki se femme et puis yo jwenn 16% la dan yo même ki se ti fi ki subi zak sa yo pou konya organisation bio nations unies pour coordination affaires humanitaires déclaré agent humanitaire yo même y a continuer bay soin psychosocial avec soin médical pour moun sa yo mais yo même yo mandé tout pour communauté internationale la aide yo nan lit y a mené yan puisque yo même yo souligné projet sa yo même yo seulement financé avec 7% pendant ça yo souligné tout attaque bandi exam yo même yo te fait sous grisier dans la nuit vendredi qui était 10 mai 2024 qui sont passé là pour te rentrer samedi qui était 11 mai et ben il fait plus passer 4400 moun couri qui était la caillou chiffre ça les même livin ajouté sous environ 95 000 l'autre monde qui était déjà couru qui était caillou dans Port-au-Prince c'est bien selon chiffre organisation migration internationale là les même l'été bail n'a parlé de OIM qui donc situation continuellement gommé qui donc femme yo c'est pas seulement bandi cap violé bien ça qui trouvé dans camp réfugié yo et bien yo continuer à faire viol là sou yo ta ko viol n'a pas le viol sexique et sexuel qui yo fait sou yo nan camp réfugié situation qui vraiment paraît ta compliqué pour pays d'Haïti nan dernier moment ça yo là conseil présidentiel installé yo déjà pral toucher comme au premier mois là mais peuple là li continuer nan souffrance continuer à courir quitter caillou côté bagaille yo vraiment dégénéré nan dernier jour ça yo là malgré force mission multinationale et bien l'état supposé rentrer dans pays d'Haïti n'a pas rappelé information fait qu'on est 4 premiers sans policiers qui a rentré aussi pour le sécuriser président. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une des premières façons que vous pouvez faire ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur vous c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification et mettre le sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous portons une nouvelle vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça on aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté tu abonne avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'ap di au revoir tout le monde. N'ap revoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.